We are going to show you how in the subtraction you have also an addition, and the importance of the equality. And we start with basic elements, and then you can go furthermore in algebra. It's a concept, the concept of difference and addition will help us to understand the equation. Je viens de dire que nous allons parler de la différence et de l'addition. Dans la différence, il y a l'addition aussi. Et ça va nous aider à comprendre le concept de l'équation en algèbre. On dit que nous allons laisser aller là, commencer dans le basic element de addition et soustraction, de différence. Et ça va aider nous comprendre le concept de l'algèbre, de l'équation. Ok? We say that this is four. 1, 2, 3, 4. Ok? 1 plus 4. This is 1. And then this is 4. 1, the digit 1 plus the digit 4 equal the digit 5. I think that you understand that. J'ai dit que 1 plus 4, 4 c'est 1, 2, 3, 4. This is 4. C'est le chiffre 4, c'est le chiffre 1. Je vais les additionner, 1 et 4. Ça va vous donner 5. 1 plus 4, ça va vous donner 5. Mais 5 ans. Ok? That means you understand the addition. So we are going to start about the addition because we already understand addition. So 1 plus 4 equals 5. We are going to give like a letter to that number because it could be different number. Nous allons donner des lettres à ces chiffres parce que ça peut varier, les chiffres peuvent varier. So, et ce ne sera pas toujours 1 and 4 equal 5. Moi dit que nous allons bailler lettres à équation ça. 4 plus 1 égale 5, nous allons bailler lettres. Et que ça va le permettre nous et comprendre que c'est pas toujours le même chiffre là nous allons gagner, ça va changer. So we will not going to have the same numbers all the time. It's why we are going to give letters to represent those numbers. Okay? I don't know if you can see, but I put for you, we are talking about the difference today, subtraction. But you know, the subtraction, you have addition in subtraction. So, aujourd'hui, on va parler de différence, mais on sait que dans la différence, on aura l'addition. On dit nous allons parler de différence et la différence là, il y a addition là, le concept d'addition. If you say the 5 represent like the letter A, okay, this is the 5, you say that represent the letter A. Okay, in that circle we put 5. 5 singles. So we put 1
single, two single, three, four, five. That represents the letter A. Because it could be not five, it could be seven, eight, any kind of number. So we put A. When you say A, that means that could vary. The number could vary. So Lord dit, nous poser A, ça veut dire que les gars doivent pas 5, les gars doivent n'importe quel chiffre. Quand on dit qu'on donne la lettre E, ça veut dire que ça peut varier. Et on dit que le chiffre 1, $1, on dit que c'est la lettre B. We say it's the letter B. The digit 1, we call it letter B. Okay? And we say, if you got 5, 1, 2, 3, 4, 5, and then you subtract, and you subtract by 1, you will be like, the result will be 4. 5 minus 1, the result is 4. You have to understand the sign of equality. It's important. Nous disons que 5 moins 1 égale 4. Nous disons que 5 moins 1, c'est 4 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Mais le chiffre 5 minus moins 1 égale 4. Et nous avons dit que c'est 4 égale 4. Hein? Nous avons les 5 en A, nous avons les 1 en B, et nous dit égal 4 égale C. So we said that the digit 5 is letter B, minus the digit 1 letter B, the digit 5, we call it letter A, minus 1, we call it letter B, equal C. Equal 4, we call it letter C. So you can say A minus B equal C. A minus B equal C. That means if you have 5 singles and then you are going to the supermarket, the person buy only for $1, right? $1, and then you give it a $5, and then five, you want to know how much money you want to give to that person. So that person give you a five, so you take the five, you put the five down. So the person buy for $1, so you are going to subtract one from the $5. So this is the $1. The person buy for $1. Okay. So you take $1 from the $5, so you have to give to the customer $4. 1, 2, 3, 4. J'ai dit que si vous allez au market, vous achetez pour $1 et que vous donnez $5 au caissier, eh bien vous avez acheté pour $1. Le caissier va vous remettre $4. $4. Nous dit que Wallon market avec $5. Wallon market avec $5. Ou acheter pour $1. So ça veut dire que nous gagnons caissier à bras remettre $4. So 5 minus 1 libre à vous. $4. 5 minus 1 give you $4. This is an equation. Ok? Nous voyons déjà la vente chiffre 5 là, gen 4 là-dedans avec 1. So mettez ensemble la bonne chiffre 5 là. Ça fait un dit A.
Gon idée d'addition là-dedans. Gon idée d'addition là-dedans. Et capable nous aider faire preuve. Preuve de soustraction, c'est l'addition. We say that there is an idea of a addition. Addition dans in this context. When you take the five, inside the five, it looks like you got four and one. You see? You see like you got a circle, a big circle representing the five, and inside the five you got four and one. So the person buy for $1, so you give back the four. So there is a concept of addition related to that difference. So it's like you can make a proof of with the addition you can make a proof of the subtraction. So if you got like you got the 5 minus 1 give you 4, and then you can say 4 plus 1 equal 5. So that equality is important in algebra. Equality is important. So j'ai dit que equality, le signe égal est vraiment important pour le concept d'algèbre. Et nous dit que si cela représente, par exemple, un big circle représente le chiffre 5, et inside, dans le chiffre 5, nous avons 4 et 1. Ok? Vous allez au market, vous donnez le $5, vous achetez pour $1, so on va vous remettre $4. So si vous avez 5 minus 1, il give you 4. So vous avez 5 minus 1, il give you 4. So vous avez 5 minus 1, give you 4. This is a subtract, it's a difference. 4 is a difference. So you can make a proof of that subtraction by an addition. So you can say 4 plus 1 equal 5. So, nous dit que avec et soustraction ça nous ka font addition tête en bas pour faire preuve là tout. 5 moins 1 li bon 4, 4 et 1 5. 5 le chiffre 5 on soustrait le chiffre 1 du chiffre 5 et ça vous donne 4. Et puis on peut faire la preuve. Et dans le sens contraire, on peut dire 4 et 1 donne 5. Ainsi dit, we are going to talk about equality like if you are home, at home, we can say daddy is equal mommy, okay? And even though you put each them on the different side, but there is an equality. And the concept of equality means a lot in algebra. And it looks like girls and boys. You got all in the family. You got like two kids, and then you give $1. You say you come to the equation like $3 and $5. Or $4 plus $1 equal 5. Okay? But 4 plus 1 equal 5. That means 4 and 1. That's part. 4 and 1 represent like a person. Like you can say his mom. And the other one, 5, is his daddy. Like 5 equal 5. 4 plus 1 is 5 and the other one is 5. That means if you are going to give, when you are going to add something, you say, if I give a gift to mom, I have to give also a gift to daddy. And it looks like you respect the equality of the things. It's a way to explain. It's not the better way, but you can understand the concept of equality. Et j'ai dit que nous avons par exemple le signe d'égalité entre. On va prendre un exemple de la famille. On va parler de maman et papa.
Et de ce côté, c'est la maman. De ce côté, c'est le papa. Et on dit que 41 donne 5, c'est la maman. Et puis de l'autre côté, c'est le papa. Et puis on dit que le papa, c'est 5. Mais de cette façon, on veut dire que les deux parties sont égales. C'est une égalité. Les deux parties sont égales. Et si vous allez donner un cadeau à maman, ok, je veux donner aussi un cadeau à papa. Il n'y aura pas de jalousie. Et de la même façon, si dans la famille, il y a un garçon et une fille, on veut donner des cadeaux à chacun pour ne pas avoir de jalousie. C'est comme ça l'équation fonctionne. Il ne faut pas avoir de jalousie. Il faut rétribuer, donner la même chose à chaque partie. This is the way equation function. If there is a first part, if there is a second part, and you have to give if you add something, you give something to the first part, the other part expect to have also the same thing. You want to make them jealous. The two part of the equation, the two parts separate by the sign equal, the two part, it looks like they are kids on the same family. Don't make them jealous. If you give $1 to one, okay, give $1 to the other. Okay? It's the idea to understand the equality. Equality got to be the same. That idea can help you to go into the algebra concept. Okay? So, j'ai dit, je vais reprendre. I'm going to repeat again. When I say 5 minus 1, I don't know if you can see, equal 4. 5 minus 1 is 4. 4 equal 4. Okay? You have 5. You subtract 1 from 5. And then the result will be 4. 1, 2, 3, 4. But like they are separate for the sign equal. That mean a lot. 4 equal 4. Deux parts, they are equal. Equal parts. So if you give something, if you add a number here, you got to add a number the other part. It looks like this one is a girl, this one is a boy. If you give something to the boy, and then the girl expect to have also. It's your way to tell, to explain the equality. Je dis que 5 moins 1 égale 4, 4 égale 4. 5 moins 1 c'est 4, 4 égale 4. Le signe égal veut dire beaucoup de choses. C'est comme si vous avez une fille ici et puis un garçon de la famille. Et que vous donnez quelque chose à la fille, le garçon expect to have the same thing. Like to have a gift also. Vous donnez un gift à la fille, le garçon expect to have a gift too. So, quand nous avons la différence A moins B égale C, we talk about the difference A moins B égale C. A minus B equals C. So, when we want to find the result, we have a question you can ask yourself a question about addition. You are on the difference, but you ask a question about addition. You say, what I have to add to the B to get the A. Okay? And we say que the A is 5, the B is 1, so you need the 4 on the C. Okay? You reason the way by addition. What I have to add to the B to get me the A. So, if the A is 5 and the B is 1,
So 5 minus 1 is 4. So I have to add 4 to 1 to give me 5. So this way, there is plenty of way to understand that. J'ai dit que si nous avons A moins B égale C, A par exemple représente 5 et B représente 1, 5 moins 1 égale 4. So nous faisons une réflexion à partir de l'addition, nous disons que qu'est-ce qu'il faut ajouter à B pour nous donner A. What you have to add to B to get the A. So 2A is 5. Okay. What you have to add to B is 4. The result. So the 4 plus 1 give you the 5. So nous dit que 4 plus 1 bon 5. So nous dit 4 plus 1 bon 5. What I have to add to 1 to give me 5. 4 plus 1 égale 5. We think about addition in talking about difference. We are talking about difference, but we think about addition at the same time. It's related. So you come with a sentence about addition when we have a sentence about difference. It's your way of thinking, okay? It's your way of thinking. So I said, like, when you add the same number to each part of the equation, doesn't bother them, okay? If I came at home and then I say, I give $4 to the girl, $4 to the boy, and then I said, well, okay, I need this is the equal numbers, and I say to give one more to that part, and then one more to the girl again. If I give $1 to the boy, I will give you $1 more to the girl. It is like I said, I want to keep the equality sign because it's equal. I need to make it fair, like each part need to have the same thing. J'ai dit que le fait que il y a un signe d'égalité entre 4 et 4, il y a un signe égal. That means if je donne 1 à j'additionne 1 à cette porte, je dois aussi additionner 1 à cette porte. So, j'ai dit 4 plus 1, bon 5. 4 plus 1, bon 7 ici. Pour ne pas faire jalousie, ça veut dire que si je 4 égale 4, si je veux que je les deux égales, si je vais à Youn, je vais à là, Youn 4 plus 1, 5. 4 plus 1, 5. So that means is the way you can do this. With the concept of addition, you can understand better. And then the concept of equality, we need that concept when you talk about algebra, okay? Then, if you have like it's like they said, what number to add to B to get the A? What to add to B to get the A is 4. In A minus B, you got to get the 4, add into 1 to get 5. So cette relation d'addition statement to find the indicate difference A minus B equals. So the indicate difference A minus B, we can find it in with the relation d'addition statement. You relate. That means you came up with something about addition that can explain the difference, the subtraction. Je veux dire que nous passons à l'addition quand nous, même si nous parlons de différence, nous pensons aussi à l'addition. So, c'est relaté. Ça veut dire que c'est pas vraiment
quelque chose de différence, c'est le contraire. Addition et soustraction, c'est le contraire, mais nous passons par l'addition pour comprendre et la soustraction. Nous dit que soustraction, c'est contraire à addition, et on peut passer par l'idée d'addition pour comprendre le concept soustraction et différence. So if you say if A minus B égale C, B plus C égale A. If you say A minus B égale C, B plus C égale quoi? Because A is like 5, minus 1 equal 4. So if you say 1 plus 4 equal 5. So that means you see, there is an addition. There is about an addition when you talk about the difference. So je dis que A moins B égale C. Et comme tu as dit, 5 moins 1 égale 4. So log ok 1 plus 4 égale 5. 1 plus 4 égale 5. So there is a concept d'addition when you talk about difference. So il y a un concept d'addition quand on parle de différence. C'est qu'on soit de différence. On gagne 5 moins 1 égale 4. La tête par 4 plus 1 libère bon 5. Ok? Ça c'est 1 plus 4 libère bon 5. En tête pour ou font une addition en tête. In your head, you make an addition to understand that difference. That's what I am saying. So in your head, you know that if you have A is 5, B is 1, and you say what I have to add 2B to get the A. So you know the answer will be 4. 4 plus 1 give you 5. So there is an addition when you talk about the difference. So je dis que il y a un concept, il y a une conception d'addition qui est relatée à la conception de la différence. Dans la différence, on peut parler aussi de la du concept de l'addition. Maintenant, je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Il me semble que vous voyez très bien. I don't know if you can see here in that part. Maintenant, j'avais bien dit, with the same equality, you can do anything. When you say it's equal, that means if I give something to that part, I have to give also the same thing to that part. The same equal, you got to expect that to have the same result in both parts. So that means if I give like I add B here, and then I got to add a B here. When I say B, so I put the letter, it's 1. You know, my example B represent 1. So I give 1 here, 1 here. So no problem, because I give the same number to the two parts. No one could be jealous because I give the same number in the two part. I add the same number in the two part. C'est comme si on a dit qu'on a deux parts. On a cette partie et puis on a de l'autre partie. Séparé par le signe est égal. Et quand je dis que je vais donner un dollar à cette partie, je dois aussi donner un dollar à cette partie pour ne pas faire de jalousie. Et comme Simda dit, depuis nous un signe égal là, nous ne pas voulu faire jalousie entre partie ça avec partie ça. Si je viens, je fais partie ça cadeau 1, je fais pour faire ça cadeau 1. Quand il y a un nombre à résoudre, nous avons A moins B égale C. Ok? A moins B, nous venons faire cadeau plus B. Ok, C vient balibé. On lui dit que A moins B c'était 1 moins 1 plus 1 égale 0. So ça c'est 4 litéré, 4 et 1, bon 5, et puis nous mettons 5 là.
I just said that you take, if you take that equation, I don't forget the, when I say about equation, I'm talking about algebra. You already in algebra. We already fall in algebra, and I make the transition because I'm talking about difference and addition. So I take the opportunity to talk about the algebra. So if you have A minus B equals C, so I say that part is equal to that part. Okay? Because you see, you see the C equal. That means a lot. If I give something to that part, I have to give the same thing to that part because I have to respect the equal sign here. So je disais que nous devons respecter le signe égal qui est ici. Cette partie représente une première partie. Ça, c'est la deuxième partie. Mais ces deux parties sont séparées par le signe égal. So, je dois respecter. Si je donne quelque chose à cette partie, je dois aussi donner la même chose à la deuxième partie. Moi, je dis que deux, même ça, est séparé par le signe égal. À son premier partie, c'est en deuxième partie. Je sépare par école. Là, tu veux que ça me rend jeune là, je vais aller gagner ça. Ok? Ça me rend égal là, je vais aller gagner ça. So that means, if I give $1 to that part, I have to sim by $1 to party ça, from by two, $1 to party ça. Ok? So if I said, I give $1 to that part, I will give $1 to that part. B represent 1. We say B represent 1. We say I represent 5. Remember, I say that here. A represent 5. B represent 1. And C represent 4. So I give 1 to that part. I have to give one to the other part. But when I try to understand what happened here, it is like I got a minus B and then I have a plus B. It's a contradiction. When you got a contradiction like that, that's it's like it's canceled. Minus B plus B is canceled. It looks like we don't have it anymore. And then what is left is C plus B. So you got to verify if what I say is right. So you got A represent the 5. A represent the 5. And you got B is 1. C is 4. Really, 4. 1 plus 4 equals 5. Everybody know 1 plus 4 equals 5. So it's simple. 1 plus 4, this is 4, 1, 2, 3, 4, 1 plus 4 equal 5. So that means, see, if I have minus 1 and plus 1, minus 1 and plus 1, they cancel. Okay, it's just like, I give you one and I take it back. So it's cancel. What you don't want to talk about. Minus B plus B cancel. Je dis que quand nous avons moins B et plus B, c'est comme si c'est cancel. C'est une cancellation. Et c'est une élimination. C'est comme si je vous ai donné $1 et ensuite je l'ai repris. Vous ne l'avez plus encore. So, moins 1, plus 1, 0. Vous n'en avez plus. No more. I give you $1, and then I take back the same $1. That's B, you don't have anymore. Minus B plus B, 0. Il en se crée minus 1, plus 1, 0. I give you $1, and I take it back. I give you $1, and I did give me back. So, you don't have any more. 0. So, when I say minus B plus B, cancel. So now, we have A. Stay alone on that part.
And then when we got B plus C, we got, remember B is 1, 1 plus 4 equals 5. Is it true? Yeah. 1 plus 4 equals 5. We already know this is 1, 1, 2, 3, 4. So if you add them together, it gives you 5. 1, 2, 3, 4, 5. It gives you 5. J'ai dit que lorsque vous avez moins 1 plus 1, c'est une élimination. Je vous ai donné $1. Je vous ai donné $1 et puis je l'ai repris. So, je dis, c'est $1 et puis je l'ai repris. Ça veut dire que vous ne l'avez pas encore. C'est $1 plus 1, je vous l'ai donné. Maintenant, moins 1, je l'ai repris. So, moins 1 plus 1, 0. Ça veut dire que moins B plus B s'annule. So, maintenant, vous avez A qui est resté de cette partie. Et N, vous avez additionnel. So, quand vous avez une équalité, nous devons vérifier si c'est ça. So, ça veut dire A, c'est 5. C'est le chiffre 5. B, c'est le chiffre 1. Et C, c'est le chiffre 4. 1 plus 4 égale 5. Ça, l'égalité est toujours vérifiée. So, nous voyons que depuis nous mettons si égal là, faut respecter que chiffre qu'il a, faut l'égal avec. Même si deux chiffres qu'il a, faut leur additionner, faut le bon même bagaille. So, nous te connais depuis avant de dire A, c'est 5. L'égal. So, nous allons faire 1 plus 4 égale 5. So, on connaît que 1 plus 4 égale 5. So, ça veut dire nous respecter l'équalité. La semaine, j'ai dit que we have to respect the equality of the members. And then if you already did in that part, you give B to that part, B to the part. Okay, that's it. Now, you say minus B plus B is cancelled. Because if I give you $1, I say, this is $1. It looks like I say plus one. $1 plus one. But if I take it back, it looks like you have minus one. So you don't have any more, no more $1. I take it back. So the take it back dollar, we call it like minus one. So minus one plus one, zero. So you know I'm talking about letter. It could be like minus two, minus so. It's like I take the letter B, that could be a variable that could represent any kind of numbers. So I say minus B plus B cancel. So in that part, we have alone only the letter A. And the equality has to be respected. The equality sign. So if we have to verify if really B plus C equal A. And we remember that A equal 5. A means 5. Because we design that A is a 5. And B is 1. C is 4. So we can say really 1 plus 4 equal 5. So that means the equality still be verified. Even though we put a letter B here, we put $1 here and then $1, but we put it in on both sides, no jealous. We don't make any person jealous. Okay, je dis que on n'a pas à mettre aucune personne jalouse parce que on a fait cadeau. $1 à cette partie et on a fait cadeau $1 à cette partie. So les deux parties sont contentes. Because avec le signe égal, on est obligé de faire ça. Puisqu'on a dit qu'ils sont égaux, s'ils sont égaux, on doit, si je donne un ici, on doit aussi donner un de ce côté. Mais si on dit que là, on doit résoudre, on a moins B plus B, il faut résoudre. Moins B plus B, il conserve. So, moi dit que si que moi fait partie ça cadeau, $1, nous devons faire partie ça cadeau, $1 tout parce que y a un signe égal qui sépare
et si égal là dit que parti ça va égal la parti ça sous si mba ça l'un femme ba ça yon tout ce qu'on y a là l'on nous ba chacun non par ça nous elle c'est b c'est plus 1 b a c'est 1 nous elle plus 1 ba ça plus 1 ba ça plus 1 so moi dit que plus l'homme te gagne déjà gon moins 1 là avec plus 1 l'aller l'éliminer parce que moi fin bon 1 dollar après ça 1 dollar ça moi le plus 1 moi prendre l'homme encore ça veut dire que c'est minus 1 so me dit que ça que plus 1 moins 1 li bon 0 l'aller so arrêtez pour compte li bon ici à là la partie ça nous toujours dit légal à l'autre partie mais nous va vérifier vraiment c'est légal BA c'est 1 CA est 4 1 plus 4 égale 5 that's it. That's it. We are talking algebra. The last part we are talking algebra. We start with the difference. There is a concept, addition concept related to the difference. We talk about difference. Like we give a proof. The proof. We have the subtraction. And then the addition can give you a proof if you are right or wrong. But when I say about the equality, I said the equality, you got the first part of the equation, and then you got the second part of the equation. There is a C equal that separate them. Je dis que vous avez une équation quand vous avez une partie ici équale. Qui est égal avec l'autre partie. C'est une équation algébrique. C'est une équation. Et si vous donnez équation, ça veut dire que le signe égal. Si vous donnez quelque chose à la première partie, vous devez donner la même chose à la deuxième partie. Pas de jalousie. C'est comme ça que l'on fait. Et puis après ça, les chiffres qui se ressemblent, on doit les éliminer. C'est normal. Faut que nous, moi, dit que et qualité que nous gagnons signe ça pas jouer avec les dépourwè li c'est que ou bra rien même ça qui va légal à même ça et sous fait ça cadeau nous bagaille faut faire ça cadeau bagaille. I said that when you see the sign of equality, don't play with that. That's mean if you give something to the first part, you have to give the same thing to the second part. Don't play with that. The sign equal. So I decide to give plus 1 to the first part. I have to give plus 1 to the second part. I call plus 1 plus B. Plus B for it. So I put plus B in the first part and plus B in the second part. Because there is a sign equal between the two parts. The sign equal is really important. You got to respect that. So, when you got to resolve, when you finish to give plus B, and what you see, you got minus B and plus B. You got to resolve that. Minus B and plus B. You have something to do about minus B and plus B. It looks like you have minus 1 and plus 1. Minus 1 and plus 1, you got to resolve that. You can't leave that like that. So, you got minus 1 and plus 1 that cancel each other. I give you $1, it's plus 1. And I take it back, it's minus 1. So, you have no more. You have no more, no more. No more. So, it's 0. So, it's 0 like represent nothing. So, I don't even have to put it there. Okay? If I have a 5... A is 5 minus 0 it still give me $5 because minus 0 mean I don't take anything from the 5 stay 5 minus 0 that's the I don't subtract anything from the 5 so 5 minus 0 stay 5 and the other part of the equality is B 1 plus 4 equal 5 that's true so j'ai dit que si nous faisons moins 1 plus 1 égale 0, égale 0, pas vrai?
Même si on laisse le 0 ici, mais A c'est 5, 5 moins 0 va vous donner 5 encore. Parce que 0 is loading. Is loading. So, si vous avez 5, vous enlevez 0, ça vous donne 5 encore. So, j'ai pu laisser 5 ici, tout seul, dans cette partie. Et si nous, maintenant nous faisons cette addition, nous avons 1 plus 4 égale 5. It's true, parce que c'est vrai, parce que 5 égale 5. 4 et 5, 5 égale 5. Et si on est capable de prouver 5 égale 5, so, ce n'est pas un problème de donner à chaque membre plus 1, plus 1. I was saying that if you can find the equality is already verified, that really was, it was not a problem to give plus B here and then plus to the first part and then plus B to the second part because the equality is still verified. I got 5 equal 1 plus 4. The 5 equal 5. So I think I pretty much cover what I have to say. Remember, if we are talking about difference, it's related to the addition. So j'ai dit que si on parle de la soustraction, de la différence, on pense aussi au sujet de l'addition. Ok? Et ça peut être une preuve. Et puis, the other thing I say, I'm talking about equation, and then I say the sign equal means a lot. If you got the sign equal, be careful. That means if you give $1 to the first part, you got to give $1 to the second part. It's all. Because of the sign equal. That's all. And then you got always verify the equality. So you see, like we are talking about arithmetic, but it drives you to the concept of algebra. So vous voyez, on parlait de maths, d'arithmétique, et puis on est arrivé à l'algèbre. On parlait du concept d'addition, de la soustraction, et puis de la différence, et puis quand même, ça ne nous a pas empêché d'arriver à l'algèbre. Ok, je pense que vous avez compris certaines choses. Et la prochaine fois. So I think you have understood something today. So see you next time. Ok, bye.